Le marketing de réseau a pris d'assaut le monde et les immobiliers s'adaptent lentement à la nouvelle tendance, en vendant des produits variés allant des compléments alimentaires aux produits cosmétiques. Le marketing de réseau améliore le sort de nombreuses personnes à travers le monde. Le marketing de réseau ou marketing à multiniveau commence à se répandre rapidement au Zimbabwe. Les agents de vente sont encouragés à créer des équipes en recrutant et en formant d'autres agents de vente. Ils gagnent des commissions sur leur propre vente et sur celle des équipes. Donc, plus l'équipe est grande, plus les agents ramènent de l'argent. Au Zimbabwe, de nombreuses personnes en chômage ont trouvé une source de revenus en utilisant la vente multiniveau. Le marketing de réseau est un des plus grands substituts au problème du chômage mondial, car le chômage n'est pas un problème africain ou zimbabwéen, c'est une crise mondiale, car la population mondiale a augmenté et la technologie s'est améliorée. Et à mesure que les technologies progressent, d'autres personnes vont perdre leur emploi dans les 20 ans à venir. Cela va être pire que maintenant. Les produits populaires incluent les produits de santé et de bien-être car de plus en plus de personnes optent pour des styles de vie plus sains. Ce que je faisais avant de rejoindre le marketing de réseau était beaucoup plus risqué. Je n'avais pas de joie ou de temps libre pour profiter de l'argent. Mais maintenant, avec le marketing de réseau, j'ai l'argent et j'ai le temps pour le dépenser. Les produits bio respectueux de l'environnement basés sur la médecine chinoise traditionnelle gagnent aussi du terrain au Zimbabwe. Toutefois, nombreux sont les Africains encore sceptiques sur leurs bénéfices pour la santé.